Direction générale police nationale, là, de concert avec le ministère de la Santé publique. Pendant que je parle de la formation qui a fait au niveau de l'école nationale de police là, et qui a commencé depuis hier, et qui l'a aujourd'hui, hein, probablement demain et après-demain, et qui visait justement à former policiers et dans la situation que le monde a traversé là, qui c'est COVID-19 là. Formation ça, bien divisée en deux groupes. Unité spécialisée, il y a formé également policiers qui sont au niveau commissariat yo, et qui visait tout former formateurs pour al former l'autre policier qui dans l'autre département yo. Service médical PNH là, les mobiliser en fonction de moyens et en appui avec santé publique et direction générale police là a profité antenne radio télévision qui là pour que nous demander à policiers et population pour y été à l'écoute et appliquer conseil autorité sanitaire et en pile précaution. Déjà au niveau direction PNH là gagné yon note qui adjoindre policiers dans le commissariat, yo, unité spécialisée, yo, également la structure qui est dans la police nationale d'Haïti. Bilan opération et affaires traitées par la direction centrale de la police judiciaire et parallèlement à la direction départementale qui trouve yo dans le pays. Il y a 19 véhicules qui sont confisqués, 10 motos, 11 chaloupes, 3 maisons saisies, 2 à la boule 23, une puis blin 9, gagné 9 cas de viol que nous recensés au niveau département yo, gagné 4 qui recensés au niveau de la direction centrale de la police judiciaire, gagné 315 kg de stupéfiants qui saisis, gagné 2 kg de cocaïne qui saisis, gagné 7315 cartouches et 20 chargeurs qui saisis, 14 pistolets, un revolver avec 6 fusils. Nature, c'est détention illégale ZAM, trafic ZAM, homicide, assassinat, tentative assassinat, vol armé, escroquerie, viol sur adulte, viol sur mineur, trafic drogue et kidnapping. Ensemble de ZAM que nous voyons là, que population a su avec nous, c'est des armes qui saisies au niveau département nord, on dit au Cap. Ça, c'est un M4 qui saisit et c'est deux concerts avec agents douaniers qui au niveau au Cap. N'a pas gagné plusieurs cartouches. Très lourd et ceci de tout calibre et nous ouais deux armes tout de tout calibre et n'après tout pistolet yo, et cartouche 12 yo. Et n'après tout marijuana yo tout et qui entreposé et devant caméra là n'a dit 21 février 2020 gagné au Cap Haïtien 9 pistolets, un revolver et 4 fusils, 4115 cartouches, 10 chargeurs.
et la police a arrêté Joseph Alcimé. Gagné tout le 4 mars 2020. Gagné un pistolet qui saisi. La police a arrêté Erline Dorneville, toujours au Cap. Gagné 11 mars 2020. Gagné deux pistolets et un fusil M4 et 212 cartouches que en partenariat avec douane au Capalan que la police saisit. Gagné Fabiola Metellus qui a arrêté. Gagné le 14 mars 2020, toujours dans PN au Capalan. Gagné trois pistolets et un fusil M4, 2950 cartouches de calibre 9 mm et un chargeur côté que BLTS, de concert avec agent douanier, procédé à l'arrestation de Jerry Jean-François, Jules Josem. En total, Kibaou, 21 et ZAM en tout, dont 14 pistolets, yon revolver, 6 fusils et 7315 cartouches. Gagné 5 interpellations qui faites au cap dans 4 dossiers. DCPJ arrêté pour implication présumée dans la mort Céluis Joseph qui était fait Big Boyer mardi 4 février 2021 Saint-Ville Junior Derilus. Gagné tout Christnel lui qui continue crélé Bougeot qui arrêté pour implication présumée dans la mort ménage qui c'est Géralda Judy Quadebouquet. Assassinat ça été fait dans la nuit du 10 au 11 août 2018 côté que monsieur a caché Saint-Domingue et la police Saint-Domingue arrêté et remettre by DCPJ Christnel lui qui pour le moment au niveau direction générale au niveau direction centrale police judiciaire gagne tout Mackinson Moïse ou Mackinson Moïse, Ricardo Bizidor, Emmanuel Justin qui continue à crêler Gary. Il a arrêté Mounsao Delma 29 pour menace de mort et enlèvement. Gagne tout Davidson Oscar, Maudlor Val, gagne tout compère Michael, Fleury, Fleury Steele, il a arrêté présomption d'enlèvement et séquestration contre rançon. Gagne tout John Remy qui continue à créer les mafias ou Ivner. Gagne Narcisse Don, Ricardo Deravine. Il a arrêté Mounsayo pour détention illégale ZAM ainsi que Loudi Laguerre et Anès Masséna. Pour cas de viol, il y a plusieurs arrestations qui faites au niveau département. Mais au niveau de la direction centrale de la police judiciaire, gagné 5 personnes qui ont arrêté pour cas de viol. Gagné Wesley Dorilas qui gagné 22 ans, il a arrêté pour viol, il fait son mineur de 9 ans. Gagné tout Samuel Derisso qui gagne 29 ans, il a arrêté tout pour viol, il fait son mineur de 6 ans. Gagné tout un ex-policier qui est Fénélus Eric, qui continue à créer Toto. Il a été appelé le mercredi qui se passait là, mercredi 11 mars, à Tabar. Il était activement recherché par la police pour tentative d'assassinat, enlèvement et séquestration, trafic de stupéfiants. Et suite à un mandat Interpol, parce que M. Convoyagé, côté que le télancé mandat international à DL, côté que est arrivé à arrêter lui, et pour le moment, lui, dans la direction centrale de la police judiciaire, côté que il a cuisiné. Ça, c'est photo avec mandat, notice rouge là. Et ancien policier. Pour escroquerie, faux en écriture de BAC, association malfaiteur, il y a trois personnes qui ont arrêté, qui sont Wilkins Simeon, Wilner
Vilsain, également Erard Desrosiers et Denilson Jean. Yo arrêté Mounsayo le 28 février 2020, chef d'accusation, Jean Sodian, escroquerie, faux en écriture de banque et association malfaiteur. Et gagné yon maison qui vend machine qui victime de monsieur Sayo. Côté que mode opératoire yo, yo matérialisé et yo contrefait ensemble de chèques pour que y a l'acheter dans entreprise côté que comme ça il déposait tout sous compte yon côté qui est fait et cola que tout le monde connaît et pour le moment moun sa yo yo nan DCPJ et nan quatre dossiers ça tout DCPJ a pour chercher Joël lui auteur principal gen un cas d'enlèvement on nous dit un cas de auto-enlèvement que nous avons traité pour le moment au niveau de la DCPJ. Côté que gagne une dame qui est le Sonia Dauphin qui vient porter plainte ici à la DCPJ pour enlèvement cousine qui ça le dit qui était faite le 21 février 2020 à Adema 24. Et côté que gagné 20 000 $ américains qui demandé ou 44 000 $ haïtiens qui versé tout après enquête de CPJ Damien li avoué c'était lui-même qui t'a fait et auto enlèvement ça côté que pour être capable prendre cob dans main de moun gagné à l'étranger et dans cadre de kidnapping gagné 5 individus qui arrêté monsieur Sayo avoué que il impliqué dans 10 cas d'enlèvement dans prochaine conférence de presse là n'a pas mesure pour que nous parler amplement de cas ça de 5 moun Sayo qui impliqué dans 10 cas yo et côté que population a gagné possibilité pour yo et si ta gen moun tout qui victime de yo capable porter plainte. Et moi crois que s'il le faut n'a répété même le son yo parce que faut que population li même bon côté parler et nous même bon côté pas nous n'a responsabilité que nous gagnons pour à savoir garantir l'ordre public la sécurité publique et tout et comme nous toujours fait et n'a toujours fait et dans toute société dans toute civilisation la police toujours fait appel à collaboration population pour aider nous dans les situations parce que la police pas capable présent tout côté pas capable présent dans tout impasse dans tout corridor c'est population qui yeux nous qui oreilles nous et gagner en pile effort qui fait déjà et j'ai toujours dit qu'il y a plusieurs opérations depuis des années qui fait dans zone ça pour que nous capable arriver libérer monde qui vivent dans zone ça et permettre toute circulation fluide dans zone là et parce que comme nous vivons sur plusieurs départements et l'a toujours fait et pendant que m'a parlé à volant il y a disposition qui prend et gagner tout de ensemble de stratégies que nous mettons en place et m'a pas parlé et rapidement ouais yo mais n'a réalisé dans zone pour entrer dans zone ça n'a point tout gagné point fixe n'a point tout gagné des policiers qui campaient là et gagné tout des barrages tout que nous aménager nous mettre dans zone ça de manière pour que nous capable permettre que grand accident libre libéré et tout et permettre tout et c'est là justement encore une fois demander collaboration population hein, parce que c'est eux mêmes qui vivent et avec et bandiyo et côté que bandiyo effectivement bah on somme de pression et nous croyons que définitivement population doit connaître que recouler qui c'est seul la police et la police seule la police pas prendre défi en main quel que soit monde mais la police gagne un mode opératoire faut cadrer tout avec provision légale yo et ça fait que bandiyo yo même yo capable si on encore touche gen zam ou après que à n'importe quel moment retiré et la police même pas qu'a gain même comportement avec bandits parce que n'a pas évolué dans cadre légal la vie chaque grain de monde dans zone ça important pour nous et la vie tout bandits tout important pour nous parce que nous pas vocation tuer nous avons un travail pour nous faire à savoir sécurité publique et à savoir garantir l'ordre public ensemble avec population nous recensé plusieurs cas de kidnapping et que n'a travaillé sur eux et malheureusement pas capable chiffre là parce que il pas dans même
Mais gagner, j'en ai dit, hein, dans la prochaine conférence, là, côté que nous allons parler de travail de ensemble d'opérations et monde que nous arrêté dans le cas d'enlèvement. Et M. Doutou, gagner 5 monde que nous arrêté et qui avouent que vous impliqué dans 10 cas de kidnapping. Et vous gagné effectivement information sur la table circulée. Et à la vérité, que nous pas arrivé à procéder à l'arrestation avec le chef gang qui est en question. Qui continue donc est comment? Non, 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 jour. Non, nous pas arrivé à récupérer, nous pas arrivé à épingler, mais c'est certain que nous avons travaillé sur ça de manière avec la population pour que nous soyons capables d'arriver à épingler et pour nous libérer encore une fois la population qui vit dans le Kwa de Bokea de monsieur et de ensemble de bandits qui n'ont gagné.